Je m'appelle Tumba Stella. Je suis journaliste et je fais des émissions à la radio et à la télé. Le thème central de mes émissions, c'est surtout le développement de la famille. Et dans la famille, nous trouvons la maman qui est au centre de la famille, qui coordonne tout, que ce soit la nourriture, que ce soit la vie en famille. Bon, je choisis ce métier parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé depuis mon enfance. J'ai fait les études commerciales, j'ai fait aussi le secrétariat, j'ai fait aussi l'informatique. Mais dans le plus profond de moi-même, c'est trouver le journalisme. Parce que quand j'étais petite fille, je faisais des reportages. Moi-même, parfois à la maison. Et quand j'étais aux études secondaires, j'ai étudié à l'Athénée de la Victoire. C'est là où j'avais décroché mon diplôme d'État. Et c'est là où on avait fait un concours à la RTNC 2. On avait fait un concours et là, on m'avait choisi comme journaliste. Et c'est en ce moment-là que je me suis vu vraiment que je m'étais retrouvée dans ma peau. Et j'ai quand même terminé mes études commerciales et après, j'ai opté pour le journalisme. J'ai aussi étudié le journalisme quand le pasteur Barouti avait eu la vision de faire la RTVA. Il avait choisi quelques personnes pour faire le journalisme avec la RFI. Et j'étais parmi ces gens-là. Et quand je suis encore venu ici, j'ai continué ma formation avec présentement comme pasteur, Papa Gauthier et le frère Yvan Ilunga. J'essaie de coordonner les travaux de la maison et mon travail préféré. Il y a beaucoup de difficultés dans le journalisme. Il y a des gens qui vous insultent. Il y a des gens qui ne vous aiment pas parce que vous avez donné un conseil qui ne les plaît pas. Vous avez peut-être parlé d'un sujet croyant que vous l'avez pointé du doigt. Donc nous trouvons beaucoup de difficultés dans ce travail. Mais comme c'est un travail que j'aime, je continue. Parfois on vous pose la question, une question qui va qui vous importune un peu là. Justement, en direct, il faut être très forte pour ne pas montrer aux téléspectateurs ni aux auditeurs que cette question vous a touché. Vous continuez pour faire un bon travail. Il y a beaucoup d'avantages parce qu'on est connu. Hein. Ça, c'est un, on est connu et parfois, nous sommes aussi félicités. Et parfois, nous sommes aidés aussi par des gens qui ont un bon cœur et peuvent vous aider. Parfois, vous êtes en train d'attendre un transport difficile et il y a quelqu'un qui s'arrête et qui vous connaît, qui vous amène vite, vite au travail. Il y a des avantages. Beaucoup des avantages parce que des avantages,
parce que ce n'est pas un métier facile, être en face du public. Il faut qu'on vous aide, que Dieu vous aide pour que vous puissiez être en forme et que vous puissiez aussi être à temps. Parce que le média, ce n'est pas... Même la maison, même partout. Hein. Le média, c'est comme l'avion. Si votre émission commence à 10 heures, vous devez être là à 10 heures. Vous n'allez pas dire, oh, il y avait les embouteillages, qu'est-ce que vous voulez? Parce que si vous commencez à 10 heures, vous terminez à 10h30. À 10h30, il y a une autre émission. Et si vous arrivez à 10h30, ce n'est pas votre temps. Donc, il y a aussi un peu de désavantages, un peu des inconvénients aussi. Le journalisme, moi, je peux conseiller aux gens d'être journalistes. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire le journalisme. Et ensuite, c'est un métier qui vous remet toujours, je crois, c'est même un sport, je peux dire. Parce que ça vous aide à être toujours jeune, à être à la page, à avoir toujours les informations pour que vous puissiez continuer une émission qui sera beaucoup suivie. J'ai vu une vidéo où une femme disait « L'âge n'est qu'un chiffre ». Oui, l'âge n'est qu'un chiffre, c'est l'esprit qui travaille. Si vous avez un esprit jeune, vous allez faire beaucoup de prouesses, vous allez faire beaucoup, beaucoup de choses qui sont merveilleuses. Moi, j'aime mon travail et cela contribue à ma santé aussi parce que si vous restez oisif, ça peut vous donner beaucoup, beaucoup de maladies aussi. Vraiment, ce n'est pas l'âge qui va m'empêcher, même si c'est pour... d'ailleurs, je t'y dis. Donc, ce n'est pas seulement le journalisme que je fais. Je suis en train de continuer. Je suis encore sur le banc de l'université parce que je veux vraiment être vraiment un peu plus haut là. Là où l'enlèvement m'atteindra, on va laisser. Ce que je conseille aux mamans, ça aide beaucoup mes enfants d'être ce que je suis. Ça aide mes enfants. Ça aide mes enfants dans quel sens? Ils me voient, moi, une femme âgée, très forte. Je me réveille très tôt le matin, à 5 heures du matin. Je fais ma prière, je me réveille, je me lave, je viens au travail. Je crois que les jeunes qui sont à côté de moi, ils sont gênés de voir une maman qui devait rester à la maison, mais c'est elle qui sort, c'est elle qui va chercher l'argent. Les mamans, je vous demanderai d'être active, vraiment d'être active dans le sens de chercher quelque chose qui vous plaît. C'est tout ça, l'amour de mon travail. J'aime être journaliste, j'aime faire ce que je fais. C'est ce qui fait, c'est ça le secret de ma jeunesse, c'est ça le secret de ma joie, c'est ça le secret de ma bonne santé. C'est ce que je peux conseiller aux autres mamans, de faire ce que leur cœur demande de faire pour aider leur famille et être en parfaite santé. Je crois que c'est ce que je pouvais dire.